Donc, vous avez, il y a le A et le B, vous voyez ou pas? Vous voyez le A et le B? Grand A, grand B. Grand A et grand B, puisqu'on a déjà répété, réexpliqué, reprouvé, ramené des commentateurs qui vont dans ce sens-là, que la bracha de Emet Viatsiv est en vérité constituée de deux grands sujets. Il y a donc l'adhésion à ce qu'on vient de dire, égale Israël. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est déjà le plan de base. D'accord? Donc j'ai dit que la deuxième partie, elle commence de Emet Mimitsraïm. D'accord? Et en vérité, c'est d'ailleurs le dernier Emet. On a fini avec... On dit sept fois Emet dans cette bracha. Si on compte le premier, ouais. Et comme le premier, il est introductif, on dit six fois Emet. Il y a d'autres fois le mot Emet dans la bracha. Il y a d'autres fois le mot Emet, mais je parle Emet en tant que début de phrase. Parce que tu vois, dans le, par exemple, le mot Emet, il figure dans le 1, tu vois. Behemet, Mouna, Chok, Velu, Avor. Je ne compte pas ce Emet-là. Dans la Kabbalah, il le compte, mais dans le Pshat, je ne compte pas. Négatif. Emet Yassif, je ne compte pas non plus. C'est l'introduction. Emet, Yassif, Venachon, et après on dit Emet ça, Emet ça, Emet ça, Emet ça. Donc dans la Emet, ça et ça, il y en a 6. On est d'accord? 5 plus 1. 5 du côté des adhésions, de ce qu'il vient de dire, et 1 par rapport à introduire Gaal Israël. Je suis clair? Tov. Et on a dit de qu'est-ce qu'on vient, sur quel point on vient exprimer notre adhésion. Regardez par exemple, tournez la page. Tournez la page. Regardez Sidour Chassid des Ashkenaz, le troisième paragraphe. Vous voyez ou pas? C'est un richon, hein? Vehem tiknou les hacher ou les hazek adavar al shikarin ou ani Hashem Elokechem. Donc il dit que ça se rapporte, Emet Viatsiv, Emet Vemuna, pas sur tout le Kriyat Shema, mais sur le dernier pasouk, sur ani Hashem Elokechem, anou me'ashrim ou me'chazkim beyoter. On insiste vraiment, oui, c'est vrai! C'est le problème de Ani Hachem le Kerem, c'est Hachem qui s'adresse à nous. Donc quelque part, on lui répond. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui est. Oui, c'est vrai que tu es l'Éternel. Oui, c'est vrai que tu es notre Dieu. Oui, c'est vrai. Il nous parle, on répond. C'est une sorte de dialogue. Venachon, Vekayam, Shehu Hachem, Elokenu. Vetakanazu, Metukenet, ou Mekubelet. C'est Takana de renforcer ce que le Passouk vient de nous présenter. Ça dit Emet, Veyati, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneman, Veahu, Vechavi, Venechma, Venaim, Venora, Veadir. De quoi on parle? Sur quoi ça se porte? Tous ces termes redondants. Que ce que les Chachamim, ils nous ont imposé de renforcer à titre individuel et personnel ce que Hachem nous affirme, c'est droit, c'est juste, c'est Naïm, c'est Nermad. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas ça mon père du temps. C'est important d'intérioriser ce que Hachem nous proclame. C'est vrai d'intérioriser, c'est Nechmad, c'est Naïm. Adabarazalénou l'érolam, va'ed, likrod, pariachod, alou, becholion, kacher, tiknoum. Tiens, là, il parle maintenant du Kriyat Shema. Tikodem la reine, kshéamad, abaït. Lo les Israël d'Ava et la Koladam, Tfilatoria, les Fitzorkav ou les Fichaha, Shutsrichim, les Tfila, Kim, Tfilot. Avant, les gens y priaient selon leurs besoins, mais quand tu n'as pas besoin, tu priais pas. Ils ne partagent pas l'opinion du Rambam. Il y avait un devoir de la Torah de prier tous les jours. Non, tu as besoin, tu pries, comme le Rambam. Tu n'as pas besoin, tu pries pas. Le Korban, Tamid, il t'acquitte. Et d'Amrian Léel, Léolam, Lolan le Adan Yerushalayim biado avon ketzad tamid shel shachar haya mechaper al averot shel balayla tamid shel ben arba'im mechaper al averot shel yom umi shebaou le babel vepasku atmidim vehakorbanot tiknu seder tfilot venu damrelan tfilot keneged tmidim tiknu numa shetiknu tetvav izukin min emet veativad veafe keneged tetvav tevot shebepasuk ani Hashem lo krechem ad emet. Regardez le pasuk.
te rappelles tout ça, Julien? Tu te rappelles ou pas? On a oublié tout ça, hein? Quoi? T'es en train de faire quoi? Non, je te crois pas. Je vais devoir confisquer, t'es comme le tiers des effectifs quand même. Ah ouais, non, mais c'est important, tu dis, c'est important. Moi, je n'ai pas répondu avant 9h. Regarde, le. Mais tu suis Marco, toi, ou pas? Tu es en train de. Regarde, 15. Il y a 15 mots, on va compter les mots. T'es d'accord? Allez, on va compter les mots. Non, oui, si tu veux, ouais. Mais c'est pas ça qu'on est en train de parler. Regarde. Ah, j'ai sauté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Veyatsi Venachon, jusqu'à Veyafé, il y a 15. Ouais. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Et dans le passouk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le dernier passouk, avec le mot Emmet, Ouais. il y a 15 mots. Donc, puisqu'on vient renforcer le dernier passouk, l'affirmation divine que c'est l'Éternel notre Dieu, on vient la renforcer par le texte qui suit. Donc on vient renforcer Zé Kenegedze par 15 mots qui font allusion aux 15 mots du dernier verset de Parashat Tzitzit, en y ajoutant bien sûr le terme Emet, qui pour nous est partie intégrante de la paracha. On ne peut pas simplement entre le Kerem et Emet. C'est bon ou pas? Donc on voit d'après cette explication, il est peut-être un. Et où Shayar les Maala Kesher Pirachti, il est fait à nous, mais Kablim, allez nous, Ol Malchuto Becholium, Vomer, Emet, Eloke Olam, Sur Yaakov, Share, Ukaya, Malchuto Kaya, Nulami, Malavotenu, allez nous, Alamenu, Donc il dit que quand on dit le texte de Emet Viatsiv, pas de Gaal Israël, attention. Il y a Emet Viatsiv et Gaal Israël. Emet Viatsiv, c'est A. Gaal Israël, c'est B dans le texte. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans Emet Viatsiv? On dit voilà. La phrase que Hachem, le passouk dans lequel Hachem nous proclame être notre Dieu parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Alors d'abord, on vient adhérer à sa proclamation qu'il est notre Dieu. Et après, on vient adhérer au fait qu'il a sorti d'Égypte. C'est Gal Israël. On adhère au fait qu'il est notre Dieu. Donc comme maintenant, ce passouk constitue 15 versets, on dit Veyatsi, Venachon, Vekayam, hein, 15 mots. Pour dire savoir qu'on fait allusion au dernier verset. Veyati, Venachon. Vas-y, compte-les, prends ton sidou. Non, Emet, il est accroché à la paracha Tzitzit. Pour dire qu'il y a 15 mots dans le dernier verset, il faut rajouter Emet. Nous, d'après la Halakha, Emet, il est plus accroché à Tzitzit que à Veyati, t'es d'accord ou pas? Ça tombe juste pour une fois. Emet, on ne peut pas s'attendre entre le Kerem et Emet. Surtout que nous, on est en train maintenant d'exprimer trois notions dans cette première partie. Il est Hachem, donc c'est quoi? Il est l'Éternel. Et le Kerem, c'est notre Dieu. Et il est Emet, donc il n'y en a pas d'autre. Et on va maintenant étudier dans le texte ici présent, ouais, les trois notions. Il est Éternel, c'est notre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. C'est Ani Hachem, c'est Hachem et le Kerem Emet. On a dit Emet, c'est par rapport à Echad, on a vu dans le Bet Yosef au nom du Zohar. C'est les trois Shemot. Alors regardez, maintenant je vous ai fait donc dans la Prébracha 1, 2 et 3. Dieu est éternel, c'est Yud-Ké-Vav-Ké. Ouais, c'est notre Dieu. Dieu des Hébreux, c'est Elokechem, qui devient Elokeinu du coup, parce qu'on répond. Et il est Echad. Emet, Atahou Rishon, Vatahou Acharon, Ubeladera, En Anou Meler, Goel Umoshiach. C'est bon? Ça, c'est le plan. Tout va bien? Ça, c'est la grosse structure. Maintenant, voyons dans le détail. Donc, Emet, Eloke Olam, Malkenu, Tsur, Yaakov, Magen, Ishenu, les Dor, Vador, Ukayam. Les Dor, Vador, de génération, il est là. Ushmo Kayam, son nom, il est éternel. Vekiso Nachon, et son trône, il est établi. Malchuto, Minato, Laad. Tu es marqué, tu as vu? Les Dor, Vador, Kayam, Nachon.
L'aad, kayemet, c'est la notion d'éternité, vous la voyez ou pas? Est-ce que vous voyez la notion d'éternité dans ce. Ouais, Eloke Olam, Malkenu Tsurakumagel chez nous? Ou les Dorvador, Kayam, Nachon, l'aad. Non, vous voyez pas la notion d'éternité? Tof. Alors, Dieu est éternel, et je lui ai dit, puisqu'il est éternel, ses promesses aussi. Quand Hachem, maintenant, il te dit qu'il faut respecter la Torah, quand il t'ordonne de faire des choses, c'est pas qu'il y a des pauses. Ah, en Babel, on n'est plus obligé. En Eretz Israël, il n'y a plus besoin de faire les mitzvot. Il n'y a pas de pause. S'il est éternel, son message aussi est éternel. Donc, Udvarav, Chaim, Vekayamim, Venemanin, Laad, ou les Olamim. C'est plus sur lui, mais c'est sur les choses qu'il nous demande d'accomplir. Vous me suivez ou pas? Nous, quelle relation on a avec Dieu? Sa Torah. C'est sympa de dire Dieu est éternel, mais sa Torah aussi. Ce qui m'intéresse de dire que Dieu est éternel, c'est dans sa Torah. Oui, bien sûr, Dieu est éternel. Non, la Torah, ça peut changer. Attends, je comprends. Bah, si Dieu est éternel, il est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, donc il sait ce qui va se passer dans l'avenir, donc il n'y a pas de raison qu'il nous donne un message qui est amené à devoir changer. Et là, on commence une nekouda intéressante qui ne figure pas dans la bracha du soir, Mademouna, à voter nous. Ouais, on a reçu, nos pères ont reçu qu'il est éternel et que son message est éternel, à la voter nous, allez nous, Val Bané nous, Val Doroté nous, Val Kol Dorot, Zera Israël Avadecha, à la Rishonim, Val Achronim, Davar Tov Vekayam, Behemet Vemuna, Chok Velo Yavor. Donc on a reçu l'éternité, nos pères ont reçu, en sortant d'Égypte de manière conditionnée, en recevant la Torah. Nous aussi on reçoit. On a l'éternité de la réalité divine et l'éternité de son message a été reçue par nos pères et par toutes les générations. D'accord? On a fini la notion d'éternité. Qui ressort le plus là, c'est Kayam. Comment? Le terme qui Tu ressort veux? le plus, c'est Quoi, t'as compté? T'as compté? 1, 2, 3. 4, 5, 5. Davartov, 5 Kayam. Allez, maintenant on fait les Dorvador. 1, 2, c'est tout. Après Olamim, donc on dit Kayam, Laad, il y a deux Laad. Il y a deux Laad. Et qu'est-ce qu'on a? Et le Olmé Olamim. Un, deux. Je crois que tu as gagné. Mais Kayam, tu es d'accord que c'est une notion de permanence, ouais. Tu n'es pas venu pour poser des questions, Nathan, aujourd'hui. Confirmé. Une sélection naturelle à la longue, les gens qui viennent au chiour, c'est pour confirmer. Ils ont compris que ça ne vaut pas la peine de faire autrement. C'est bon, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que demain, ce sera plus clair la vie? Dieu est éternel, son message aussi, et nos ancêtres et nous-mêmes avons reçu sur nous cela. C'est pas moi, je reçois à titre individuel. C'est une réception de tout le peuple juif depuis toujours. C'est ça qui fait de nous des juifs. Deuxième point. Forcément, on commence par Emet. Deuxième Emet, deuxième point. Et vous allez voir qu'il y a plus de Emet dans ce deuxième point que dans le reste. Puisqu'on a trois Emet dans ce deuxième point. Dans le premier point et le troisième point, il n'y a qu'un seul Emet. D'accord? Dans le point intermédiaire, il y a trois Emet. Là, on développe plus ce deuxième point que le premier et le troisième. Ezra, donc, dit Emet, Shatahu Hashem, Elokeinu. Eloke nous, Veloke avotenu, Malkenu, Meler avotenu, Goalenu, Koel avotenu, Yotsrenu, Tsuyeshuatenu, Podenu, Matsilenu, Meolam, Ushemera, Velanu, Od Elohim Zulater Asela. Oui, effectivement, Elokechem. Tu es notre Dieu. Mais le Dieu de nos pères, c'est qui nos pères? C'est qui nos pères, les amis? Quoi? Non, c'était l'erreur classique, Marco.
C'est qui nos pères? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec Marco qu'on fait allusion au patriarche Julien? Pourquoi je ne veux pas dire qu'on fait allusion au patriarche? Pourquoi je m'oppose à cette lecture que j'ai trouvée après confirmée dans les Rishonim, ce que moi je dis là maintenant? Ce n'est pas les patriarches, c'est les Hébreux qui sortent d'Égypte. Quand est-ce qu'on est devenu le peuple de Dieu? En sortant d'Égypte, patriarche, c'était un projet, ouais, qui était, comment dirais-je, embryonnaire. Mais à part ça, c'est pas que ça le problème, c'est pas un problème philosophique. C'est que si on dit que Emet Véatif, ça vient renforcer ce qui vient d'être dit, on parle des Avot, donc Bichlal, donc le Shema. On parle des Avot dans le dernier passouk, Bichlal lo. Pas des Avot. Pourquoi on devrait mettre l'accent sur les Avot? Comme ça, j'ai vu mes fourrages. Tu vois encore dans le Sidour Chassidé Ashkenaz. Qui vient juste après ce qu'on vient de lire. Où Bezrat a voté nouvelle ère, Matrila lui dit, Bracha, lui, il a pas suivi le même plan. Enfin, j'ai pas suivi le même plan que lui. Où Messem Begal Israël, lui, on commence Gal Israël ici. On va voir que j'ai des questions sur lui. Mais en tout cas, Vehesh Bayet Sed Mitzrayim et Kretiam Souf. Il dit, à voter nous, donc on parle à voter nous qui sont sortis d'Égypte. Et après, il te dit, il y a Mea Tevot, mi Emet Viatsiv, ad Ezrat a voté nous. Mea Tevot, mais je n'ai pas compté, par exemple. Je ne vais pas compter. Et il dit, c'est par rapport au Mea Brachot, machin, tout un truc des Géonimes. Vehemet et non Nirshav imaem. Bon, il a tout un problème de sang. Ah, il y a Emet, il ne faut pas le compter, etc. Ezra Tovenu Ata, Roche Tevot, Ole la Ain Bet, Sheni Tiased, Shvar Alze, Ze Al Shivim, Veshtaim Shemot, Al Shem Fourage, Sheni Fkea Ayam Mehem. Eh bien, nous, Ezra Tavotenu, Alayam. Ezra Tavotenu, Alayam. Il dit, on ne parle pas des Avot. On parle des Hébreux qu'Hachem les a aidés. Où ça? Alayam. Et d'où je sais que c'est Alayam? Parce qu'il dit que Ezra Tavotenu Ata, c'est Ole Ain Bet. Je ne sais pas comment ça marche, Ain Bet. Rachetez votre, puisque ta Ezrat, c'est Aïn. Et à voter nous à ta. Aleph et Aleph, ça fait bête. Donc les rachetez votre, c'est Aïn bête. Et il y a eu 72 lettres. C'est par les 72 lettres du nom divin que Hachem, il a ouvert la mer. C'est ça qui est marqué Ezrat, avete nous à ta, c'est pour de mer à mer, parce qu'il a aidé sur la mer. Il dit, qui me dit qu'on parle ici des Hébreux sur la mer? Les Ezrat, avete nous à la yam, rasé. Mais d'abord, Mitzan Mitzrayim, parce que ce genre-là, pourquoi, de quel avoté nous ça peut parler? On parle de Mitzan Mitzrayim. On va parler d'Abraham Mitzrayim, c'est pas ça le but. C'est pas ça le sujet. Tu me suis, Nathan, ou t'as la chaîne? Ça va? Ou moyen? Il dit, Ezra t'a voté nous, Moussa, v'le, elle, elle, emet, v'assim, shemé, sa père, v'o, l'air, chassadim, chassa, hachem, im, Israël. Michoum, shemar, la guide, baboké, chassdechal, shemak, guia, les guéolades, Mitzrayim. Qu'est-ce que tu viens? Ouais. C'est pas gênant, mais c'est pas le sujet. C'est ça le problème. C'est pas gênant, mais c'est pas le sujet. Le sujet de Emet Véatsif, c'est de, comme il dit le Sidour Chassidé Ashkenaz, ouais, c'est d'exprimer notre adhésion à ce qui vient d'être dit. Que, tu vois, Ani Hachem le Grem, Hachem Otseti, Meret Mitzrayim, ouais. Je suis trompé avec les 10 commandements. Ani Hachem Elokechem. Ah là là. Ani Hachem Elokechem. Asher Otseti Etrem Yeretz Mitzrayim. C'est bon, c'est bon. Liot Lachem Elohim. Ani Hachem Elokechem. Et il a expliqué au début que on vient maintenant renforcer ce que Hachem a proclamé dans sa relation avec nous. Il dit oui, effectivement, tu es l'éternel. Oui, effectivement, tu es notre Dieu. Oui, effectivement, tu es Met et Ehad. C'est de la même manière, il est constant, c'est pas ce constant. C'est de la même manière que tout ce qu'il a promis à Abraham, il a fait pour les Égyptiens, c'est ça qu'il y a ici, c'est qu'il Ah ouais? prépare cette promesse. Je me rappelle pas de ça. Hein. Et le soir, c'est quoi? C'est qu'en plus, pour nous, il a accompli cette promesse. C'est l'un de l'appel. Je me rappelle pas. Mais moi, ici, maintenant, bon, Hachem, qui est Darki, j'ai oublié beaucoup de choses. D'accord? Maintenant, l'intérêt qu'on oublie, c'est quand on reprend, on est un peu libre de réfléchir. D'accord? Maintenant, l'argument, moi, au début, quand j'avais étudié ce texte hier soir, on s'est voté, nous, c'était à vote, à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et je suis arrivé à une question, je dis, mais.
C'est pas ça le sujet. C'est pas faux, parce que tu commences avec eux. Mais c'est pas ça l'enjeu, cette bracha-là. C'est quoi le Yatsiv alors? Yatsiv, au sens de trois. Ils sont obligés de constant de trois. Non, Yatsiv, ça veut dire amiti. Okay, Emet, on a vu les Mefarshim que Yatsiv, c'est la traduction en araméen de Emet. Tu te rappelles? Venachon. C'est quoi l'émet? Ce qui pro... tout est... ça va ensemble quoi, c'est que le jeu global, il est un et puis tout, tout ce qu'il a dit, ça se réalise, ça l'émet. C'est-à-dire ce que Hachem nous a proclamé qu'il est l'Éternel, notre Dieu, et qu'il est unique, ouais. Cette proclamation, ces 15 mots-là, on est en train de dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Pas ces promesses. Les 15 mots qui négatent les 15 mots du passage, pas ces promesses qu'il nous a sorties d'Égypte, c'est pas ça. Tu vois, par exemple, Nora va dire ses promesses. Aouf, ses promesses, c'est Hachem. Le Hachem et le Kechem Emet. Donc on a dit d'abord, tu vois, Yatsi, Venachon, Vekaya, Veyachar, Veneeman, c'était le Emet. C'était le. Ouais, c'était le Emet. Après, le Kechem, c'est notre Dieu, donc il est Aoub, il est Raviv, il est Nerman, Venaïm. Et. Non, pardon, pardon. Et c'est quoi le Echad? Comment on a expliqué? Attends. J'avais écrit aussi un truc sur ça. J'expliquais qu'aussi, il faut couper ces 15 mots par rapport à l'Éternel, notre Dieu, qui est Echad. Chaque mot faisait allusion. Attends, où j'ai écrit ce texte? On a déjà fait un travail sur ça. C'est dommage que j'improvise. Je ne suis pas réintégré dans ce texte. C'est dommage, j'aurais pu le faire. Comment ça marche? Schéma, voilà, schéma. Parfois du schéma. Émet du Yatsiv le matin. Explication, alors, c'est quoi? Voilà, le 1, nous adhérons à la proclamation, j'ai dit pour Emet, Vehatsi, Venachon, Vekayam, Veachar, Veneeman, ça c'est quoi? C'est la réalité divine. Dieu, le fait qu'il est, comment dirais-je, qu'il est éternel, quoi. D'accord? Donc c'est quelque chose, c'est Emet, Yatsiv, Nachon, Vekayam, Veachar, Veneeman. Après, Veahu, Vechavi, Venermat, Venaim, j'ai expliqué, c'est nous adhérons à notre devoir de le servir. Donc on doit le servir, Be'ahava ou Be'ira. Donc Ahu, Vechavi, Venermat, Venaim, c'est Be'ahava. Beira, Zenoda, Nora veut dire. Suivez ou pas? Ou Metukan, ou Mekoubal, Vetovia fait. Là, on a dit, il y a trois bonnes raisons de servir Dieu. Ça c'est le Elokechem. Elokechem, c'est notre maître. Donc, il faut le servir. Alors, notre Dieu, ouais, on doit l'aimer. On doit le craindre et il nous a donné un système de loi parfaite. Donc, c'est trois bonnes raisons de le prendre pour Elohim. Parce qu'il est Aouv, Raviv, Venermat, Venaïm. Il est bon avec nous. Venora avait à dire, mais il faut le craindre aussi. Et ce qu'il nous a donné, c'est Metukan, Mekoubal, Vetov, Veafé. Donc, le début, Emet, Veassi, Venachon, Vekan, Veachar, Veneman, c'est la réalité divine qui est éternelle, qui est droite, qui est. C'est quelque chose qui est... qui est Emet, qui est Nachon, qui est Kayam, Veachar, Veneman. La proclamation de la réalité divine, c'est quelque chose que c'est une vérité absolue. La proclamation, ouais, qu'il est notre Dieu et que nous devons le servir, elle est justifiée parce que comme il est bon, on doit le servir. Parce que il faut le craindre, il faut le servir. Parce que ses mitzvot sont parfaites, il faut le servir. Ça, c'était comme ça qu'on avait commencé le sujet à l'époque et qu'on n'a pas terminé. On l'avait avorté, le sujet. On a commencé pour expliquer comme ça tous ces termes redondants. D'accord? Mais dans ces termes-là, il y a une allusion à l'éternité divine, ouais, et qui est, comment dirais-je, qui est unique. Il est éternel et il est unique. Et après, et c'est notre maître qu'il faut servir. Donc, il y a une allusion à renforcer notre croyance qu'il est l'unique, l'éternel. Et qu'il est notre maître. Vous me suivez ou pas? Comme ça, à l'époque, on avait expliqué, j'ai même fait des notes, des sources, des machins. J'ai commencé ce texte, je n'avais pas terminé.
On pourrait croire, ouais. On pourrait croire. Ça, c'est dans l'Amida, ouais. Dans l'Amida, mais c'est pas écrit dans l'Amida. C'est des Mefarshim qui disent. C'est pas écrit dans l'Amida. Tu peux pas me rapporter une preuve de l'Amida. Tu peux avoir une preuve, même pas de la Gemara. C'est même pas la Gemara qui dit ça. C'est ça, parce que quand il dit Magen Avraham, à partir d'Avraham, il a été Magen Oto Vetzaro. Maintenant que Ozer veut choix qu'on parle de Yitzhak et Yaakov, c'est les Mefarshim qui disent, c'est même pas la Gemara. Tu ne peux pas rapporter une preuve d'un texte expliqué par des Acharonim sur un texte de Anshei Knesset HaGdola. Mais Julien, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que moi j'ai penché pour cette lecture au début. Je pensais qu'on faisait allusion à Avot. Pourquoi j'ai tranché qu'on parle des Hébreux pour l'argument du Sidour Chassidé Ashkenaz, que ce n'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est d'adhérer sur le fait ce que Hachem il a fait pour nous en Égypte, et à ce moment-là, il a dévoilé son éternité, il a dévoilé qu'il est notre maître et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais l'événement de base sur lequel nous méditons et nous proclamons combien nous y croyons, c'est l'événement de la sortie d'Égypte jusqu'à la Kriyat Yam Suf. Pourquoi on se plongerait dans ce qu'il a fait pour les Avot? Intellectuellement, ça ne me dérange pas. Mais si on a choisi un plan que c'est pour renforcer ce qui vient d'être dit, ça me dérange de mettre le paquet sur ça. Ce n'est pas impossible, mais ça me dérange. Et j'ai trouvé aucun Rishon qui disait qu'on parlait que des Avot. Il y en a un qui dit c'est Avot vers nos pères qui sont sortis d'Égypte. Mais Avot tout seul, j'ai trouvé personne qui dit ça. Et pour la raison qui est écrite dans ce Mefarash qu'on vient de lire. C'est Rishon, oui. Ce n'est pas le sujet. T'as perdu le fil, Jonathan, ou pas? Pas trop? Donc on est sur le point numéro 2. C'est un grand plan, les gens sont on ramène tout ça, mais pareil, si tu veux dire à tout fait schéma, pourquoi tu veux dire Il y a dans les Rishonim Marloket. Il y a dans les Rishonim Marloket. Ouais. Est-ce que c'est on exprime notre adhésion sur tout ce qui a été dans le Kriyat Shema ou sur le dernier Passouk? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le dernier Passouk? Il y a deux choses importantes dans les Passouk. Premièrement, on a vu dans le Dezoar, c'est un clin d'œil au premier Passouk. Parce qu'il y a les trois schémas d'Akjourou, l'Éternel, notre Dieu qui est unique, donc qui est vrai. D'accord? Très bien. Mais il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans ce dernier passouk, ça parle de la sortie d'Égypte. Donc si maintenant Emet Vatsif Gal Israël, ça se rapporte au dernier passouk, on est content. Parce qu'il y a tout dedans. Tu comprends ou pas? oui. Ben, il y a dans le dernier passouk et les trois schémas, l'Éternel, notre Dieu qui est Emet Vechad, et la sortie d'Égypte. Et c'est ça le résumé de la bracha de Emet Vatsif Vegal Israël. D'accord? Mais on voit certains rishonim qui disent non, on exprime notre adhésion à tout le Kriyat Shema. Ouais? Nos Kabbalat Ol Mitzvot, c'est parce qu'ils ont un problème, il y a un passage embêtant. Hein. C'est, tu vois, Emet Ashrei Ish Ishma Le Mitzvotecha Vetoratecha Udvarecha Yassim Al Nibo. Et ça fout ici. C'est un gros problème. Ce passage-là, ouais, si j'avais été Dieu, j'aurais effacé. Je vais vous montrer pourquoi il est problématique, ce passage-là. Là, on est dans le deuxième point, d'accord? On est en train de développer le fait qu'on proclame que Hachem, c'est notre Dieu, le Dieu de nos pères, notre roi, le roi de nos pères, notre délivreur, le délivreur de nos pères, notre créateur et sauveur, qui nous a rachetés, qui nous a délivrés. Ouais. Me'olam u'shemecha. Ton nom, en tant que notre Dieu, il ne t'a jamais oublié, tu as toujours été notre Dieu pour nous. Venanu od Elohim zulatera, c'est là. Et Elokechem n'a pas d'autre. Très bien. Ezrat avotenu ata umeolam. Donc ça va. T'es l'aide de nos pères depuis toujours. Et que tu as sorti d'Égypte, ça n'a jamais laissé tomber. Magenu Moshelem. C'est miséricordieux, ils disent les Rishonim ici. C'est l'aide de nos pères qui n'étaient pas encore méritants. Magen, Moshia, Lahem, Livner, Bechol Dorvador. Bien que Berum Olam, t'es très. T'es installé, t'es, comment dire, t'es dans les mondes célestes. Le monde ici-bas ne devrait pas t'intéresser, vu ta nature, vu ton élévation, vu ton côté immatériel. Malgré tout, tu t'occupes des moindres détails, comme tu es notre Dieu, alors tu t'occupes de nous tout particulièrement. D'accord? Et là, on dit un truc, on ne voit pas ce que ça fout ici. Tu vois, par exemple, si on saute le Emet Ashrei Ish, d'accord, on le saute, on l'efface.
Le Emet qui vient après, Emet Shataou Adon le Amecha, ou Meler Gibor la Riv Rivam le Avot Uvanim. C'est dans le sujet, d'accord? Mais là, le Emet Ashre Ish et Ishma le Mizotera et Toratera et Dvarra Yassim, quel rapport? Qu'est-ce que ça fait ici? Tu comprends la question, Nathan, ou bon. Dans le deuxième mot, on parle de la relation privilégiée entre Dieu et nous, son peuple. Et c'est notre roi, et c'est notre Dieu, et on n'en a pas d'autre. Et il nous délivre, et il nous aide, et il nous sauve. Mais les pères, les enfants, les générations, c'est Elokechem. Elokechem nous dit Elokechem. C'est-à-dire, quel rapport? Emet Shatawad, Emet Ashrei Sheishma les Mitzvotera, mais Torah, quel rapport? Ce n'est pas le sujet. Si on n'avait pas mis cette phrase-là, il n'aurait rien manqué. D'accord? Ça aurait été plus homogène. Alors moi, qu'est-ce que j'ai proposé comme réponse? Pour moi, c'est une question. Hein. Alors certains riches disent, non, ici, ça fait allusion Vayem Shamoa. Et donc, du coup, ils ont dû expliquer que Emet Vyassif, ça ne se rapporte pas sur le Dnei Pasuk, mais sur tout le Kriyat Shema. Tu comprends la feinte? Alors moi, je dis, mais pourquoi ce Vayem Shamoa, il est en sandwich dans ses interventions envers nous. Miséricordieux, dans Vayem Chamois, on ne parle pas du tout de ses interventions miséricordieuses, on n'en parle que dans Parashat Tzitzit. Donc j'ai un problème de plan, qu'est-ce que ça fout ici? J'ai un problème de structure. Vous comprenez ma question ou pas? D'ailleurs, le nouveau Sidour Kavanat Alev, lui, il suit le plan du Kolbo qui dit ça. Je ne trouve pas ça du tout rigoureux. Parce que, en termes de Sidour qui cherche à faire une structure, pourquoi ici on parle de Vayem Shamoa en plein milieu de la proclamation que c'est notre Dieu qui nous aide? On ne voit pas du tout ça dans le. Qui nous délivre. Dans Vayem Shamoa, on ne parle pas de délivre. On dit voilà, tu fais les mitzvot, tu as la pluie, tu fais pas, je te renvoie. Quel rapport délivré avec les. On ne parle pas d'égoïm, Birlal. C'est-à-dire une Sheila du Rav Mitzberg. Dans Vayem Shamoa, on aurait dû dire si tu ne fais pas les mitzvot, tu fais un Bodhazara, les goïms vont te faire dégarpir, pas la famine. Dans l'histoire de l'Israël, ce n'est pas la famine qui nous a fait partir d'Israël, c'est les goïms. Donc il y a une chaîne historique sur cette paracha. Mais là, si on veut être fidèle à la paracha, on parle c'est la famine qui nous fait partir. On ne parle pas du tout des ennemis, vous êtes d'accord? Dans Berukotai, on parle des ennemis. Dans Kitavo, on parle des ennemis. Dans même Shamoa, on ne parle pas des ennemis. Donc pourquoi ici, si ce passage-là fait allusion à même Shamoa, pourquoi on parle qu'Hachem nous protège, il se bat pour nous? Quel rapport ça? C'est dans Tzitzit qu'on en parle. Enfin, pourquoi au milieu de. Au milieu de, comment dirais-je, du développement de Elokechem qui parle de Tzitzit, qui est bloqué dans Tzitzit, on devrait revenir à Vayem Shamoa. C'est bizarre. Vous comprenez ma question ou pas? C'est ça que je n'ai pas, comment dirais-je, adhéré pour le plan du Sidour Kavanat Alev qui a recopié le Kolbo. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai dit comme plan? J'ai dit un autre plan, j'espère que je ne me suis pas trompé. Regardez en français, relation privilégiée miséricordieuse avec l'hébreu, nous a sorti par miséricorde d'Égypte. Ouais, vous ne méritez pas. C'est pour ça qu'il continue à nous aider. Si maintenant on était sorti d'Égypte par mérite, il y aurait un problème. Et après? Et après? Qu'on a fauté et qu'on s'est plaint et qu'Amalek s'est attaqué à nous. Hachim, il a continué de nous aider dans la guerre d'Amalek? Oui. Parce que Israël t'a voulu t'attaquer, mais voilà. Tu ne viens pas protéger un peuple parce qu'il n'a que des mérites. Si on n'a pas de mérite, on est son peuple. Il est, Hachim, il est bon et bienveillant et bienfaisant. Donc, puisqu'Hachem est bon, bienveillant et bienfaisant, il s'occupe de son peuple, c'est normal. Première raison pourquoi il est notre Dieu et qu'il s'occupe de nous, parce qu'il est bon. Il sera ta voté, nous. Ouais. Bien que tu es très élevé, tu t'occupes des plus petits détails dans ce monde. Et après, il dit, mais c'est sûr que celui qui a des mérites, si on a des mérites, il s'occupera encore plus de nous, c'est encore plus facile que nous. Donc, Hachre, Ish et Ishmael, Zotera, Yassim Alibo. Si en plus, maintenant, on est Karov et Glochou, on pourra encore plus profiter de sa protection. Et même maintenant, si on n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu et qu'il ne veut pas être bienveillant, de toute façon, il ne nous abandonnera pas. Pourquoi? Parce que Emet Shataou Adon Amecha, il nous a pris comme peuple, le Seigneur avec ses serfs, il ne va pas le laisser tomber. Comme maintenant, on nous massacre, on s'attaque, il va nous venger. Parce qu'on est son peuple. Pas uniquement parce qu'il est bon. Il y a trois bonnes raisons pour lesquelles Hachem, il manifeste qu'il est notre Dieu et nous sommes son peuple et qu'il nous défend. D'abord parce qu'il est miséricordieux et il est bon, donc il est bon particulièrement avec nous. Deuxièmement, quand on accomplit les misères, il est encore plus proche de nous, donc il manifeste sa relation privilégiée, il nous protège. Et troisièmement, parce que comme il a pris pour peuple, il ne va pas nous laisser, il ne va pas laisser les méchants gifler, humilier, opprimer son peuple. Ata adon le amecha.
Ce n'est pas la notion de bonté, ce n'est pas la notion qu'on accomplit les mitzvot, c'est que quand maintenant tu prends un Eved, et que maintenant tu vois ton Eved qui revient à la maison avec un Eberna, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi j'ai besoin que tu me mettes les chaussures. C'est quoi cet Eberna? Ben ouais, parce que je suis tout noir et tout, monsieur, il s'est moqué de moi. C'est une question, je te demande de proposer mieux. Tu as le droit de poser une question. Du Pachtout, Pachout. que ça suit un peu la sortie d'Égypte. Et que Oui, le je t'écoute. Kémet s'achetait ici, je m'en terrasse, c'est un Sinaï, quoi. Ouais, et pourquoi on parlerait de Arsina ici? Puisqu'on n'en C'est parle la pas. N'oublie Matara. pas le sujet, Nathan. On est en train de dire qu'on est en train d'exprimer notre adhésion sur le dernier passouk, ou tout au moins sur le Kriyat Shema. Mais Arsina, on n'en parle pas. Pourquoi acheter une photo? On a jamais perdu. Pourquoi? Ça, pour aller Matara. Matara, Emet, chez Natata, la Noutora, pourquoi acheter chez Ishma les mitzvotera? Pourquoi on parle qu'il est heureux celui qui écoute les mitzvot? Ce n'est pas Matan Torah, que tu sois heureux ou pas, tu dois le faire. Là, on parle d'une position particulière de quelqu'un de méritant. Matan Torah, ce n'est pas lié au mérite. Ça fallait marquer Gigit. On devait recevoir la Torah quoi qu'il advienne. Je ne pense pas que ce soit les termes adaptés pour faire allusion au Matan Torah. On en dit Emet, chez Natata, la Noutora Techa. Ou chez qui ban ou Torah Techa, mais Ashrei ish et Ishma les mitzvotera, bien si Malibu, on parle d'un niveau élevé. On ne parle pas d'un événement. On parle d'un niveau d'obéissance. Si vous voulez faire référence au Matan Torah, j'aurais eu un problème de technique, qu'est-ce que ça fout dans Emet Veativ? Ce n'est pas le sujet de Emet Veativ, Matan Torah, première question. Et on se serait exprimé différemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma réponse sur Nathan? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. La rive-rivam. Moi, je vois là-dedans Chetaegel. Quel rapport la rive-rivam? Il s'est battu. On avait une guerre dans Chetaegel? Non, Après, non, c'est le même Emet. C'est le même c'est Emet. pour la rive rivam, ça fait longtemps qu'on est resté C'est le même Emet. Pourquoi tu fais ça? T'as vu dans un sidour ce truc-là? je Je vois vois. pas. Où tu vois la. Quand je lis le texte, Bah, t'es poète. j'ai un Bah, t'es poète. C'est de la poésie. Ou tu vois la faute du. Je te dis la faute du veau d'or dans Emet Atahu Rishon. Chez Atahu Adon Amecha. Rive Quel rapport la faute du veau d'or? Quel rapport la faute du veau d'or? Quel rapport là? droite. On voit pas ici de Ronesh. On voit pas ici de. On voit rien. C'est notre Seigneur. Ou tu vois, c'est notre punisseur. Il n'y a pas marqué punition ici. Surtout qu'Oumeler, il faut lire d'un coup. Adon la mecha, Oumeler, Gibor, la rive rivam. C'est une seule phrase. Toi, tu l'as coupé, mais c'est une seule phrase. Parce que le Emet, il est en facteur. Donc on voit, c'est le maître des Juifs, le seigneur des Juifs se bat pour eux. Même s'ils n'accomplissent pas les mitzvot. Ouais. Même si, comment dirais-je, il n'est pas miséricordieux, il va. Si maintenant il y a un peuple. Moi, je verrai ici, tu vois, Bechol et même si on n'est pas méritant, et même si maintenant il n'y a pas de miséricorde divine, il nous abandonnera jamais. Donc il est Adon qui se battra toujours contre nos oppresseurs, qui veulent nous exterminer. C'est déjà plus Ezrat Avotenu. Ezrat Avotenu, il nous accompagne. Là, c'est même, il ne voudra jamais laisser nos oppresseurs nous exterminer. Pourquoi? Parce que c'est notre Seigneur et on est ses esclaves. Il ne va pas abandonner ses esclaves. Si maintenant, alors des fois maintenant, il est miséricordieux, il nous accompagne. Si on a des mérites, il nous accompagne encore plus. Il est très proche de nous. Mais même maintenant, s'il ne nous accompagne pas, il n'est pas très proche de nous, nous abandonner, il ne nous abandonnera jamais. Parce que c'est notre Adon et on est ses serviteurs. Tu comprends pourquoi j'expliquais comme ça? Non, il est parti, Jonathan, il n'a pas aimé. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, répète ta question. Supporte pas le boosting. Hein? Non, c'est sur moi. C'est bon?
Alors, Non, elle n'aime pas l'odeur. Ma femme aussi n'aime pas l'odeur. Vas-y. Hachem, il reste quand même Où il y notre. a marqué, où il y a Rivam dans le Vaudor. C'est pas du pshat ce que tu dis, c'est d'un coup. Adon Amecha ou Meler. La virgule, elle est fausse, ouais. Adon Amecha ou Meler Gibor, Shema, la rive Rivam. La rive Rivam, c'est le sujet. Il n'y a pas la rive Rivam dans le Vaudor. À la limite, Amalek, mais pas le Vaudor. Julien, c'est ton tour. C'est vrai que ça sent mauvais. Pardon. C'est quoi par rapport à ce mot-là? C'est le son d'Hachem, puisque le mot Hachem il marque. Non, je comprends la notion, il sait pas dans cette site. On ne voit pas dans cette site, on ne voit pas la notion d'éternité, c'est vraiment les sons pas que le dire tout. Mais si on voit le Zohar, qui comprend que Ani Hachem Elokechem, Hachem Elokechem Emet, c'est une référence à Hachem Elokeinu Hachem Echad. D'accord que dans le chrétien, la notion l'éternel est notre Dieu, l'éternel est Echad. D'accord que cette notion de éternel, elle est dans le chrétien. C'est d'accord? Et si on dit maintenant que la raison pourquoi nous rajoutons Emet, c'est pour paralléliser avec le Echad, et qu'il y a trois shemot au début, trois shemot à la fin, donc le Yud Kevav Kev est mis en valeur également à la fin. Très bien. Deuxièmement, ça c'est d'après le Zohar. D'après le Pshat, c'est un passouk de Yirmiyahou. Il dit Ani, Hachem Elohim Emet. Hachem Elohim Emet. Là-bas, on avait expliqué dans la paracha d'Yirmiyahou, c'est même que on est en galoute, même que truc. Non, la relation avec Dieu, elle est éternelle. La Nekouda là-bas de Emet, c'est pour dire que c'est éternel. Même maintenant, ça reste la même relation. Même que les conditions semblent avoir changé, rien n'a changé. Parce que Yud-Ké-Vav-Ké, c'est le Elohim Emet. On aurait pu dire Elohim Emet. Non. Hachem Elohim Emet. Ani Elokechem Emet. Pourquoi Ani Hachem Elokechem? Ani Elokechem Emet. On pourrait se passer du Hachem. Ouais. Ani Elokechem Emet. Hacher Otseti Etrem Eretz-Israël. Ani Elokechem Emet. Pourquoi Ani Hachem? C'est en tant que maître qui s'est manifesté pour nous sortir d'Égypte. Pourquoi parler du Yud Kevavke? Parce que justement, par la sortie d'Égypte, il a non seulement confirmé sa maîtrise sur nous, parce qu'on est devenu son peuple, mais il a également dévoilé son éternité, parce que seul l'éternel peut intervenir de la sorte. Dans la sortie d'Égypte, il y a deux choses qui ont été dévoilées. La réalité divine et notre relation avec lui. La réalité, il est éternel, il est au-dessus des lois de la nature, et il est notre maître, il nous a pris pour peuple. Mais les deux choses figurent dans la société. C'est pour ça qu'il y a marqué, quand il parle de sa réalité, dans les 10 commandements, Ani Hachem Elokechem, Metavadim, c'est le premier commandement. On relie à la sortie d'Égypte le premier commandement qui est la croyance dans l'unité divine. Mais le rapport, on parle de la sortie d'Égypte. L'unité divine et son éternité. Et retrouvé dans l'événement de la sortie. C'est pour ça qu'il dit, pas cher bara et haolam, cher abadim. Donc il y a cette notion de l'éternel qui est intervenu, l'unique qui est intervenu. Il y a cette notion-là dans la sortie d'Égypte. Et elle figure dans le dernier verset. Il n'y a pas marqué Ani Elokechem Emet. Des mots, Hachem de Kérem, il m'a trouvé directement à ces autres, c'est-à-dire à ces choix-là, je ne sais pas. Nahon. On aurait pu parce que dans la bracha de Emet Vassim, on ne parle pas de la sortie d'Égypte. Alors dans ce passouk, il y a tout, ce que je t'ai dit au début, dans ce passouk, il y a tout. Et il y a la réalité divine et son intervention en Égypte. Et on voit qu'on relie sa réalité divine par rapport à sa réalité de délivrant. Tu vois, par exemple, quand on parle du Éternel, Al-Baninu, Al-Doradinu, et on dit Emet, Elokeola, Malkinutsur, Magenishenu. On parle de Maganish parce que la notion d'éternité divine qui est dans ce verset-là, elle est accrochée à l'événement où il est notre délivreur. Alors que chez Shema Israël, ça n'a rien à voir avec la délivrance. Alors quand on dit Hachem Elokeinu Hachem Echad,
On parle de l'Ekenu en tant que voilà, on lui appartient. D'accord? Alors que là, le Kenu, on parle beaucoup de Goel Avotenu, Malkenu, Podenu, Matsenu. Donc on voit que si on rattache la notion de Elokenu au Kriat Shema, le premier passage, on ne voit pas pourquoi on insiste tellement sur sa délivrance. Mais si on rattache le Kerem par rapport à on comprend que c'est le Kerem en tant que délivreur particulièrement. C'est pour ça qu'il est évoqué sous cette forme-là dans le dernier passage. C'est plus adapté. Sans le jeu de mots des 15. Ça tombe bien, les 15, d'accord? Il y a 6 mots dans le schéma Israël. Il n'y en a pas 15. Mais laissons tomber les jeux de mots de nos ancêtres. Ils sont sérieux, les ancêtres. Mais bon, des fois ça tombe bien, des fois ça tombe pas bien. Ah, il ne se rapproche pas de moi. Le pire, c'est un moustique qui est enrhumé. Il sent rien, il t'éclate. Ouais. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'on disait? Lourdeur, après, avant Pourquoi ça. ils n'hésitent pas à les mettre? Et ça confirme l'halakha qu'on a vu. Khazal, dis-le. C'est pas le seul qui dit émettre, qui veut dire que si je ne dis pas, il n'y a pas qui dit. Ouais, vas-y, continue. En fait, puisque c'est le casse-texte, ça c'est la même chose. Voilà! C'est ce qu'on a été Mehadesh dans la Gemara. On a une Gemara dans Daf Yudbet qui nous dit tout celui qui n'a pas dit Emet Viatsiv, Vemet le soir, il n'est pas quitte. On a dit pas quitte du Kriat Shema qui Moshe Tsarir. Ah, mais pourtant, on a vu dans Yud Gimel que quand il ne faisait pas Parashat Tzitzit, et personne ne faisait Parashat Tzitzit. Ouais. Alors, il ne faisait pas également Emet Viatsiv. Ils vont dire, mais je m'en fous, il m'a marqué Emet Viatsiv, je ne suis pas quitte. Non, tu n'es pas quitte parce qu'il y a ici la synthèse du Kriat Shema qu'on a dit au début. Associé à la sortie d'Égypte dans le dernier passouk. Et donc, comme maintenant on a évoqué donc cette synthèse entre ces deux sujets et la réalité divine et son intervention en Égypte, on est obligé de dire Emet Véatsiv. C'est maintenant que Hachem nous affirme qu'il est notre Dieu qui a sorti d'Égypte, on dit oui, tu es notre Dieu, oui, tu es l'Éternel, oui, tu nous as sorti. Mais quand tu n'as pas dit ça, pourquoi tu dois dire Emet Véatsiv? Donc, c'est une preuve, on va dire, il pratique que Emet Véatsiv n'est pas rattaché au premier verset, mais au dernier verset. C'est pour ça que je n'ai pas lâché, j'ai dit ce jour, je vais le faire. Et je vous l'ai dit à l'époque qu'on va finir, on devra le refaire, bien que j'ai plein de trucs à vous faire sur nos sugas des filines après 10 heures. Mais c'est dommage, on passe à, là on a tous les éléments pour synthétiser. Dommage de passer à côté. On a tout repris là. Et bon, Hachem, qu'on a trouvé des rishonim qui disent ça. Des fois, malheureusement, dans plein d'endroits de filotes, c'est des chidouchim à moi. Je suis embêté, pas tout le temps. Mais souvent, j'ai moi, je. Les questions, je propose quelque chose. Et là, il y a des rishonim qui disent ça se rapporte au dernier verset, machin, les caisses, le truc, machin. Donc, Baruch HaShem. On continue. Donc, la question qu'on avait, c'est sur Emet, Ashrei Ish, mais comme on parle de notre relation avec Dieu, miséricordieuse, minadine, et parce qu'on est ses serviteurs, donc on a dit, il y a une sorte de comment dirais-je, de liste exhaustive des différentes positions dans laquelle HaShem intervient envers nous, de manière miséricordieuse. Manière parce qu'on mérite, ou même si on ne mérite pas, et qu'il n'y a plus de miséricorde, il ne va pas nous laisser tomber. Mais l'air où Gibor l'arrive, Rivam la Avotubanim. Et Gibor ne va pas laisser son peuple écrasé, exterminé. Comme ça, j'ai voulu interpréter. On arrive au troisième point, c'est Had. Emet, Atahu Rishon, Ve'atahu Acharon, Umi Baladecha, En Lanu Meler Goel ou Moshiach. Tu es le premier, tu es le dernier. Il n'y a aucun autre. Alors, tu vois, encore une fois, c'est une notion de Echad, mais liée à la délivrance. C'est ça que se dire de rapprocher au premier passouk, ça a été bizarre. Pourquoi Meler, Goël ou Moshia, c'est pas ça le sujet. Un texte qui est vraiment très chien, il y a beaucoup toutes ces notions sans parler de la sortie d'Égypte spécialement. Ouais, je vais reprendre. J'ai expliqué ça au début du show, mais j'étais rapide. Peut-être que tu étais dans ton téléphone. Je reprends. Cette bracha est constituée de deux éléments. C'est une bracha qui raccroche au Kriyat Shema, mais qui raccroche à l'Amida. On veut raccrocher l'Amida à Gaal Israël. D'accord? Il est embêtant de faire deux éléments de bracha qui sont carrément de deux natures différentes. Déjà, rien que pour ça, quand on veut maintenant méditer sur le nom divin, on va méditer sur le nom divin qui a été Goël Israël. Pourquoi chercher le schéma Israël, Hachem Elokeinu Jéred, qui n'est pas lié à Gaal Israël? Il est plus pertinent de faire une bracha homogène que hétérogène. Donc, pour qu'elle soit hétérogène, la première partie et la deuxième partie sont liées. Sauf qu'on met le zoom dans la première partie sur le Hachem Elokeinu Jéred qui a sorti d'Égypte, donc sur les trois schémotes, comme dit le Zohar, mais qui est lié à la sortie d'Égypte.
à son intervention et non pas à sa réalité philosophique. Ouais. Et on peut arriver ici au dernier émet, qui est lié au émet précédent, parce qu'avant on parlait aussi de la Géoula. Émet, Mimitsrem Galta, nous. Alors que si on a voulu faire les premiers émets sur le premier passouk, ça aurait été complètement hétérogène, il n'y a aucune transition. C'est deux éléments dans une même bracha. Mais c'est homogène. Ceux qui est éternel, qui est notre Dieu et qui est grand, imagine cette promesse, il nous souffre. Pourquoi ça aurait été dérangeant? Quand, pardon, on ne dit pas parachat tzitzit? C'est Quand on ne dit pas parachat tzitzit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On a un problème, on n'a pas de transition entre le Kriyat Shema égale Israël. Parce qu'il n'y a pas de parachat tzitzit. Donc on dit maudit manachnou là. Tu vois bien qu'on ne fait pas la transition. Si on ne dit pas Emet Vehatziv, il n'y a pas rien à dire. Nous, maintenant, l'essentiel de la bracha de Gal Israël, c'est la sortie d'Égypte pour arriver au Kriyat Shema. Mais les Chachamim, ils ont voulu ajouter également une adhésion à la réalité divine en tant que sorteur d'Égypte, ouais, comme premier point. Et pour dire une adhésion, il faut qu'on l'ait exprimé dans le Kriyat Shema. Si on dit que le premier et le deuxième paragraphe, on ne l'a pas exprimé, donc on ne peut pas dire notre adhésion. D'accord, en détail. Ça veut dire pas les jours. Ça veut dire, je refuse de ça, je parle avec Israël, en disant qu'il va sauver Israël. Pour moi, ils parlent de maudire. Et ils arrivent à Gan Israël. Pas de maudire. Ouais. Ils arrivent, donc il y a une Bien transition sûr. à Israël, quand même, c'est Il n'y a aucune pas. transition, c'est le même sujet. On doit maintenant être masqué à Etzad Mitzrayim avant d'arriver à Gal Israël et pour être au maître Batfila. Hein. Comme Etzad Mitzrayim, ça a l'air de ne pas être lié à la sortie à la sortie du, parce qu'on voit que Kriyat Yamsouf, ça ne marche pas. Donc on doit dire Maudit Manartoula pour accomplir merci de la sortie d'Égypte, Hachem, et on a chanté une chanson, Kriyat Yamsouf, Gal Israël, on commence la Amida. Mais on n'est pas au maître du tout sur la réalité divine. Qu'il est rat, qu'il est notre Dieu. On aurait pu le dire. Pourquoi ça devrait de le dire sans être Israël? Pourquoi c'est vrai? C'est bon, tout ça. C'est vrai, même si je ne dis pas juste avant que. Arrêtez, mais c'est vrai, tellement Alors, je vais te important. donner une autre explication. Bon, donc, qu'est-ce que tu veux? Non, non, c'est lié au sujet. Une autre explication. Il y a un grand problème, et c'est lié à la souga qu'on va faire demain, Zat Hashem. Une souga magnifique qui nous attend demain. Mais des doutes Sheker, c'est un truc, t'imagines pas le Hormek qu'on va dévoiler là-bas. En tout cas, pas nous, les Mefarchim, moi, j'ai juste aimé la quête. Les Kitsour. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand je dis Hachem et le Keno Hachem Echad, c'est quelque chose de complètement abstrait. Je rappelle, on a vu le Tanya, Echad, ça nous dépasse complètement. C'est la notion d'être dépassé. C'est ça qu'on dit, bah, Hachem, que Malchut pour rendre la chose un peu plus concrète. En valeur absolue, comme il remplit tout, alors on n'existe plus, Borchener. En tant qu'être terrien, on voit que tout émane de lui. Tu te rappelles, c'est ça le plan? Donc tu vois bien que exprimer notre adhésion sur une formule abstraite, c'est compliqué. On ne peut pas dire oui, c'est vrai. Mais que maintenant, on a vu dans notre histoire et dans l'Égypte qu'il était Echad, et qu'il était notre Dieu, et qu'il était éternel. Ça, on peut exprimer notre adhésion. Mais sur la réalité philosophique que Dieu est rempli, on ne peut rien dire sur ça. C'est émettre. C'est peut-être émettre, mais je peux pas en témoigner. Zé Doud Sheker. Qui c'est qui dit ça? Le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit que si tu fais le Kriyat Shema sans les Tfilis, Zé Doud Sheker. Pourquoi? C'est tellement abstrait, dit le Rav Kook, la réalité divine, que si tu n'accomplis pas la mitzvah qui matérialise la notion du Yehud Hashem, je lui appartiens, j'ai mes tefilines, etc. Donc, quelque chose de déjà plus concret qui se rapproche à moi. Donc, tu parles, c'est du zarma, c'est quoi le schéma, etc. Et on te demande de faire de l'étfiline, pourquoi? Parce que pour rendre plus concret cette notion qui est abstraite. Donc, c'est tout cacher et shaker parce que tu parles de quelque chose qui te dépasse, Birklal. Et ici, c'est la notion de émettre, d'exprimer notre adhésion. Oui, c'est vrai, oui, j'y crois, oui, je truc. La sortie d'Égypte me permet, quand maintenant dans les 10 commandements, on me dit, Annie, Hachem, tu dois croire en moi. Par rapport à quoi? Il demande, pourquoi pas, tu crois croire en moi, je suis le tout, etc., parce que j'ai créé le monde. On ne peut pas demander de croire en lui parce qu'il crée le monde, j'y étais pas. La croyance, elle se base. Il y a l'émouna, mais il y a une croyance. C'est pas que de la foi, il y a de la croyance. Je crois parce que j'ai vu. J'ai vu qu'il est Echad, parce que le nécromancien, parce que Paro, parce que le Nil. J'ai vu qu'il est éternel, parce que comment tu es? Et t'as du feu dans de la grêle, et comment ça va contre la nature. Donc il est avant la création du monde. Et avant le... Il peut pas. C'est ça que je prends le phénomène directement, mais pas parce que je dis pas de site
que je connais. Mais dans le Kratchem, on ne parle pas de la réalité divine accessible à nous. Il y a Shema Israël qui est inaccessible, et donc les mitzvot pour rendre la chose plus concrète. Nous, comment comment dirais-je, on développe notre relation avec Dieu par les mitzvot, mais pas par une réflexion de ce qu'il est, ça nous dépasse. Mais sinon, c'est pourquoi on aurait très bien maintenant commencé là. Je cache ma Israël sur le pas derrière, je dis. Et là, je sais qu'il est rare, ce aussi, et qu'il est bloqué nous parce que ça en Égypte, et qu'il est éternel parce que c'est. Il va dire, c'est pourquoi. C'est pourquoi moi, je n'aurais pas eu le droit parce que c'est. C'est quoi qu'est-ce qui vient en C'est fait. pas que t'as pas le droit, c'est que t'as pas de chova. Si je me trouve, la roba, c'est très bien créé, la roba de dire le. Oui, mais cette chova-là, après que t'as dit que Ani Hachem le Kerem Emet, mais Israël, je dis, c'est vrai ce que je viens de dire, mais si je n'ai pas dit, c'est vrai ce que je viens de dire, mais qu'est-ce que ça dit, tu n'as pas dit. Émettre que certains livres. Émettre ce que je viens de dire, mais je ne l'ai pas dit. Je vais pas dire émettre ce que je viens de dire, je n'ai pas dit. C'est pas un exemple, c'est ça qu'on est en train d'expliquer d'après les Rishonim. On est en train de renforcer ce qu'on vient de dire. Mais on l'a pas dit qu'il nous a sortis d'Égypte, pourquoi tu veux parler de ça? On n'a pas dit que maintenant la relation particulière qui nous attache à lui, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi tu veux renforcer effectivement sortie d'Égypte, m'a dévoilé ci, m'a. On n'en a pas parlé. Non, on parle pas. Non, pas vrai. C'est pas vrai. La preuve, c'est pour ça qu'on expliquait Baruch Hashem que votre Malchut l'Olam Ve'ed, du schéma Israël, Hashem et le Kenou Hashem Erad, ça ne concerne en rien ce qu'il a fait dans le monde. C'est pas lié à ce monde. C'est pas lié à la sortie d'Égypte. Il est beaucoup plus grand que cette petite parenthèse historique. C'est beaucoup plus grand. Dit que monsieur Valérie, on a bien dit qu'avant de là, c'est la chaîne de Kino et que qu'on a marre de créer un schéma, c'est la chaîne Hérale. Effectivement, je ne l'ai pas gardé. Mais le fait est C'est que pour ça que c'est. le Rajba dit que c'est pas des bras. Il dit le Rajba, c'est pas lié au Kriyat Shema. Et Met Vatif, c'est lié au Kriyat Shema. Les deux problèmes ne sont pas liés au Kriyat Shema. Donc on était embêtés. Moi, je les ai reliés au Kriyat Shema. Non, c'est pas lié au Kriyat Shema. Si là, tu veux faire un lien, c'est peut-être Birkat HaMitzvot. Mais c'est pas lié au contenu du Kriyat Shema. Pourquoi on fait Yoter Me'orot? Parce que la lumière se lève. Pourquoi Avat Olam? Parce qu'il faut faire une bracha avant d'étudier la Torah. Kakatou Bagmara. Maintenant, tu veux faire un lien poétique, il n'y a pas de problème. Mais les Rishonim, ils ont été mis tiaresse, comme étant la bracha qui est liée au contenu du Kriyat Shema par Emet Vehativ, Emet Vemouna. C'est ça qui est marqué. Il n'y a pas marqué Kol Michel Ohamar, Birkat Kriyat Shema, le Yatsa Edechova. Il y a marqué Kol Michel Ohamar, Emet Vehativ, Emet Vemouna, le Yatsa Edechova, de la mitzvah de Kriyat Shema. Donc, voilà ce qui gêne dans l'accomplissement correct du Kriyat Shema. C'est qu'on n'a pas fait Emet Vehativ, Emet Vemouna. Mais de ne pas avoir fait le Tzera Meorot vers Avat Olam, j'ai perdu des tfilotes. J'ai perdu des tfilotes, mais qui n'ont aucune implication sur le Kriyat Shema. Mon Kriyat Shema ou Mushlam. C'est ma Shekatou Bagmara. Mais si j'ai le Kriyat Shema sans dire Emet, Vehatsiv, Emet, Emouna, mon Kriyat Shema n'est pas Mushlam. Ah, et ça, c'est la troisième paracha. Je veux dire, chemin Israël, je traite philosophique sans vraiment comprendre. C'est pas grave, je suis quitte. Non, parce que j'ai dit Avec deux Ve'ahavta parages, aussi. qui suivent, Voilà. Ve'ahavta, et je suis quitte. Alors que la philosophie, je pars maintenant, l'une des mitzvot, j'ai pas Voilà. le mitzvot ici sous ce fait. Olmizot, c'est très bien. C'est ça le but. C'est ça le but, c'est Olmizot, ouais. C'est arrivé à Olmizot, comme on a vu dans le Mishnah. C'est pas rien, c'est pas philosophique. C'est pas philosophique. On arrive au Olmizot. Tu comprends? On arrive au Olmizot. C'est pas qu'on rajoute. C'est pas quelqu'un qui a le seul pasouk, Vezéou. Je sais plus que je mets Israël, on rajoute trois chassis pas pour faire sacrifier duquel je décide de Israël, d'accord? Et quand je le dis, une chose qui est plus précise déjà, alors je dois venir dire, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, alors c'est une chose qui est plus précise déjà, qui s'appelle Israël, qui est beaucoup moins philosophique, Plus, qui est plus mais proche de nous. voilà. Et donc, puisque plus proche de nous, faut témoigner. Quelque chose de très philosophique, où là j'aurais dû dire, Mais ah non, non, mais je peux là, pas témoigner. c'est moi, tu le Mais là, mets. c'est un témoignage. Oui, c'est vrai. Quand je dis c'est vrai, c'est que je l'ai vu, sinon je te mets Echeker. Oui, c'est vrai. On le voit qu'il est Ezrat Avotenu, nous. On peut pas dire c'est vrai. Ok, pourquoi? Parce que c'est aussi d'Égypte, deuxième chaîne, c'est la même chose. Mais on le dit pas dans le Kriyat Shema. Mais c'est Si on n'a sûr. pas dit un troisième paragraphe. Oui, c'est vrai ce que je viens de dire, mais je l'ai pas dit. Est-ce qu'il m'aurait grave de l'expliciter, même si je ne l'ai pas dit? Je sais que Je ne peux pas dire c'est théoriquement. vrai ce que je viens de dire. Mais je lui explique que c'est vrai ce que je viens de dire. Je ne l'ai pas dit. C'est ça, la takana de Emet Vatsi. C'est vrai ce que je viens de dire. Je dois renforcer ce que je viens de dire. Je ne l'ai pas dit. Donc je ne dis pas. C'est la base. C'est la base qu'on a déduit de la Gemara. Quand maintenant on ne dit pas trop, on voit bien qu'on ne doit pas le dire. Donc on voit que c'est vrai ce que je viens de dire. C'est ça.
Pourquoi, sinon je dis, je le sais, en fait. C'est comment je le connais, pas de qui coupe. Bon, ça, je pense avoir répondu à la question, Julien. La réponse est, c'est une doute. Comme c'est pas une doute, vous ne pouvez pas dire avant, on ne va pas témoigner de ce qu'on va me dire, mais ça, pour moi, c'est un clic dedans. C'est ça que je réponds aussi. Un clic dedans, un clic dedans. Il y a plein de gens qui croient que Hachem, c'est notre Dieu, c'est le Echad, etc. Ouais. Et qui dit qu'il intervient dans l'histoire. En Égypte, c'est encore un autre élément qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il est encore à s'occuper des éléments dans l'histoire? Oui, c'est notre Dieu, Nachon, c'est notre Dieu. Il nous a pris pour peuple et tout, mais il y a du hasard dans l'histoire. Ce n'est pas forcément nous. C'est la définition, c'est évoqué. Oui, mais peut-être qu'il s'occupe plus de nous, parce qu'on a fauté, parce qu'on a truc, il nous a abandonnés. Alors dans le Emet Véatsi, on voit non, c'est quelque chose de permanent. Mais ça, ce n'est pas écrit dans le premier passouk. C'est pas écrit dans le premier passouk qu'il intervient dans l'histoire, machin. Là, dans le dernier passouk, on voit maintenant que c'est notre Dieu en tant qu'intervenant. On voit quoi? On voit dans le premier pérec du Kriyat Shema, on voit qu'il intervient. Puisque c'est l'éternel, philosophique, ouais, je suis un philosophe, alors je vais devoir faire des choses envers lui. Mais il n'intervient pas où tu veux qu'il intervienne. Il intervient où ça, où tu veux qu'il intervienne. Mais tu vois que tout le Emet Versif tourne, la première partie tourne autour de son intervention, mais Bégadol. C'est ça le sujet. Et sur ça, je peux témoigner. Faut être fou pour pas croire en Dieu quand on voit l'histoire du peuple juif qui est encore vivant aujourd'hui. Faut être fou. Faut être menteur. Celui qui a mitti, il voit que c'est Hachem qui nous a permis d'exister encore aujourd'hui, contre toute théorie philosophique et historique et sociologique. Sur ça, on peut témoigner. J'ai un texte comme ça. J'avais fait un canevas de textes de philosophie, de philosophe Goy. Que la preuve de l'existence de Dieu, c'est l'existence du peuple juif. Parce que le peuple devrait avoir disparu plus longtemps. Mais s'il existe, c'est que Dieu existe. Ouais, je ne me rappelle plus. C'est l'écrivain. Je l'ai mis dans ce texte-là. J'ai écrit ici, dans mon Amida, l'introduction de l'Amida de Rosh Hashanah. J'ai mis ce truc-là en note. Donc, attends, l'Amida, machin. Où je l'ai mis? Les ennemis. Attends, Les ennemis. Les ennemis. Tout tout le monde, le monde. ouais, ils sont malades. Et je suis content, moi je suis content que les Goyim soient contre nous. Ma chère va bientôt venir. C'est comme le Midrash. Oui, les Romains, non, on a fait tout ça pour les Juifs et tout. Ah bon, vas-y, montre-moi. Là, tout est enregistré. Le Hachem, en Internet, avec des grandes mémoires et tout. On va sortir. T'es pour les Juifs. Tout ce que tu as fait, c'est pour les Juifs. Je pense qu'il n'y a aucun Goy qui va sortir indemne de l'histoire. Ah oui, là. C'est pour les jeunes, je pense que tu as été juste Non, d'accord, mais non, parce que je te parle du Midrash. Les Romains disent, ils sont tellement hypocrites. Ouais, toutes les routes qu'on a fait, c'est pour le Ham Israël, etc. C'est allusion à ça, ouais. Et il dit, mais tu t'es comporté avec les Juifs pire qu'avec les autres peuples. Et tu veux pas qu'on t'éclate maintenant qu'il y a Gog ou Magog? Une petite question alors. Pour finir en beauté. non. J'ai pris en fait ici déjà les autres, les cinq réseaux, elle était mieux. Ça. Non, on a voulu, une fois qu'on avait choisi ça, on Ouais. disait maintenant on va faire un peu ce on va dire une codée, on va dire, on va sortir tout le. Parce que si j'avais pris la paracha par exemple, il y avait la commit, limite, ouais. Ouais. J'aurais pu dire aucun texte sur ça, j'aurais pu le sortir. Quoi. Non. Ni le mettre, ni rien, j'aurais rien dit quoi. Tu dis pourquoi c'est pas mis dans la liste? Ouais, parce que c'est un dans les transitions aussi avec Galisraël, quoi. Parce que finalement, c'est pas ça. Comment tu viens le comment t'as avec Galisraël? C'est impossible. Bon, bah, on n'aurait pas fait Emet Viatsiv, quoi, d'après ça. C'est avant de rentrer dans Emet Viatsiv. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Parashat Tzitzit? Moi, je te dis, ce qu'aujourd'hui, j'ai un peu ajouté dans le développement qu'on avait dit précédemment, ici, il y a un problème, parce que Hachem, il affirme, je suis votre Dieu, je vous ai pris, je me... Yod Lachem, je vais sortir pour être pour vous Dieu. Puisqu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, là, il nous impose les choses. Donc, il y a un peu ici, il nous tend la main, et vous êtes d'accord avec ça? C'est pas dit qu'on doit exprimer notre adhésion. On doit exprimer notre adhésion à cette phrase-là qui émane de lui. Il dit, je suis votre Dieu parce que j'étais d'Égypte. Ouais, non, mais moi, j'y étais pas. Puis on m'a pas demandé, tu sais, l'adolescent. Je t'ai pas demandé d'être ton fils. Quoi, je vais faire kibboud avahem? J'ai jamais demandé de naître au monde. Donc, on te demande un peu de. Attends, j'ai retrouvé le texte. C'est qui le philosophe? Il dit, voilà, Thomas Newton, pasteur de Bristol. C'est un pasteur en plus.
La préservation, je cite, la préservation des Juifs est véritablement l'un des plus insignes et plus illustres actes de providence divine. Et qui d'autre qu'un pouvoir surnaturel aurait pu les préserver de manière telle qu'aucune autre nation sur Terre n'a été préservée? La providence de Dieu n'est pas moins flagrante dans la destruction de leurs ennemis que dans leur propre préservation. Nous voyons que les grands empires qui, tour à tour, ont assujetti et opprimé le peuple de Dieu, sont tous tombés en décadence. Et si telle est la fin fatale des ennemis oppresseurs des Juifs, que cela serve d'avertissement à tous ceux qui, à n'importe quelle époque, à n'importe quelle occasion, désirent s'élever contre eux ou les persécuter. Pasteur. Et c'est pas généralisé, et puis je Non, mais c'est un Américain. Il y en a qui sont prosémites. Il y a Tolstoï. Tolstoï. c'est quoi. Il a écrit un livre, il a écrit un article, Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un juif? Quelle créature unique est celui qui tous les dirigeants de toutes les nations du monde ont disgracié, écrasé, expulsé, persécuté, brûlé et noyé, qui malgré sa colère et sa fureur continue à vivre et à prospérer? Quel est ce juif qui n'ont jamais réussi à séduire par toutes les séductions du monde, dont les oppresseurs et persécuteurs ont seulement suggéré qu'il renie sa religion et renie la loyauté de ses ancêtres? Le juif est le symbole de l'éternité. Il est celui qui a protégé le message des prophètes et l'a transmis à l'humanité. Un tel peuple ne peut jamais disparaître. Le juif est éternel. Am Israël Chai, Julien. Le juif est éternel. Il est la manifestation de l'éternité. Tolstoï. Il y a donc un Américain et un Russe. Après, on dit qu'il y a une guerre froide. Bon, les amis, on va faire dodo.